Potion. 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 Flask of revitalisation. Alors là, on en a 6. C'est toujours les mêmes, hein. Régène 2. Alors pourquoi on refait des popos, me dites-vous? Puisque le boss Gaïa, c'était sympa, mais c'est pas suffisant. On va faire le boss Gaïa Number 2. Mon anglais, c'est beautiful. On va faire le Ritual of Gaïa 2. Et pour ça, en fait, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'au lieu de mettre un Terra Steel, on met un Gaia Spirit Ingot qui se craft avec un Terra Steel et des Gaia Spirit qu'on a obtenus juste avant. Voilà. On va passer la nuit, on est prêt? Bah on sera prêt. Comment commencer l'épisode? Et après, on essaiera de finir justement le Botania et aussi d'aller chercher l'XP. Il y a toujours cette XP qu'on doit aller chercher pour finir la quête du 1. Ouais. Je me souviens à peu près où elle est. Je t'attends dans le lit. Hein. Ouais, oh oui. Oh oui, bébé. Parfait. Oui. En fait, on court toujours, mais en fait, on peut voler. Ouais, c'est clair. Bon, j'ai l'impression qu'on court plus vite. C'est clair, on n'a pas assez l'habitude. Par contre, je te signale tout de suite, on peut pas voler dans le rituel. D'accord. Ah bon, on pourra péter des bûches aussi en vol. Ah ouais, c'est pratique ça. T'es là? Ouais. On est prêt? On est prêt. Shift. Déjà, il est déjà plus gros le coco, hein? Ah oui. Ah Voilà. oui. Et il se téléporte tout le temps, lui. Ça rigole moins. Pourquoi il n'y a pas la musique? Il nous met cher os. Il prend pas très cher. Oui. Et de temporiser au max le. Bouffe ta soeur. Pas lui tirer des petits coups verts parce que. Ouais, il se TP trop après. Ça va être... Je sais pas si on va réussir à se le faire. Au tempo un peu. Ah bah ma vie. Ok. Ah, il tire Aïe trop mec. Ah il va me buter. Il y a trop de... Le wither combien? c'est Je 8h2 sais pas ou mais on régène 3. pas assez. Faudrait des popos de... Ouais. Ouais! Bon, il était à la moitié du chemin. Il nous faudrait des popos de heal en fait. D'accord. Des heal 2 qui génèrent 4 coeurs. Ah, Et c'est possible. avec ça, peut-être qu'on s'en sortirait. On est con, on aurait dû faire des popos de force aussi. Bah, j'avais une popo de force, moi, hein, mais. Ah. Bon, on l'a descendu à moitié, c'était histoire de tester. De toute façon, ça n'apporte pas grand-chose de plus, on va dire. Ça, c'est moi. Hop. Ouais. Ah non. Je confirme. Attends, je te file tout d'abord, ouais. Je veux pas de ta merde. Il y a du bon stuff là-dedans. Bah oui. Fais pas les choses à moitié. Hein. Allez hop! Bon, bon, on aura essayé, c'est au moins ça. Ouais. Hop, on va remettre le tiara. L'anneau. Les canisters. Oulou. Et bah on va finir les. Hop. Nos amis. Les Sparks! Donc voilà, on doit faire les Sparks augmentent, dispersifs, dominants, récidives. Je sais pas trop quoi. On va regarder comment on les fait. Bah vas-y, fais-les-moi, je vais préparer les popos. Vas faire des popos de quoi? Bah, il 2. Ouais, mais ça sert à rien, on peut pas le réinvoquer. On a plus les trucs Gaïa. Ah merde. Oh fuck. On les a tous consommés. Donc il faudrait. Oh bah, de toute façon, il n'y en a que 4. Ok, alors il nous faut Mana Steel et Pixie Dust. Pixie Dust, c'était comment déjà? Under Pearl dans le portail. Exact. Hop là. Et il nous faut quelle rune? Water. On en a. Hop. Ah, dommage qu'on ait l'un, qu'on ait plus l'autre. Ouais. Je Dommage, pense qu'on aurait pu dommage. le faire, mais. Le deuxième. Ah, pareil, d'accord. On va en prendre plus, comme ça on est tranquille. Normalement, on a besoin de 3 de plus. Ouais.
Hop. Ah. C'est juste les runes qui vont changer. Ouais, y a encore des mana tablettes ici. Lol. Partout des mana tablettes. C'est bien, ça stocke du mana. Oui. Alors, rune de feu, rune de terre et rune d'air. D'air et rune de feu. Voilà, bon, en fait, on aurait pu la finir depuis longtemps, cette quête. C'est aussi simple que ça? Ah oui, le craft. Hop! Et on a plein de sparks qu'on peut augmenter éventuellement. Je suis en train de rechercher la crevasse où qu'il pourrait y avoir. L'XP là? Ouais. Ouais, je me souviens où elle est à peu près. Donc c'est fini à 100% The Way the World Work. Donc Botania c'est terminé, tout comme les modes. Quels étaient les modes chelous des. Ouais, on court plus vite en fait grâce à Ast. Ah oui, nettement. Tout ce qui était stockage, tu sais, les coffres. Ah oui. Alors, de mémoire, c'était par là. Ouais, ou épée. Et après, un peu vers la gauche. Ah bah, il y a la fissure qui est là. C'est au fond de la fissure, non? De la faille? Non, c'était pas celle-là. C'est pas celle-là? Non, c'était pas celle-là. Plus loin. C'est cool, on peut voler. On verra mieux d'en haut. Là-bas, il y a notre faille. Y a... Celle-là, je crois. Il y a un truc à péter. Non, c'est pas une faille. Là, une autre faille. C'est celle que j'ai visitée, il y a rien. Merde, faut trouver la bonne faille. Je vais rendre garder. Quoi, l'île est pas infinie. Hein. Ouais. X sont les failles. T'es où? Ah, j'ai une autre faille là. Bon, l'important c'est surtout de trouver les trucs à XP. Là, je pense que je m'éloigne trop. Elles y sont. Ouais, t'es ouais. Dessus? Oui. Et du coup, récupère-les. Ça y est. Tu récupères les concentrates essence berry. Ouais, je les ai. Il en faut 16. Ah, je les ai pas. T'en as combien? J'en ai 5. On récupère les buissons, il faut les faire pousser, non? C'est pas ouais, ça. C'est ça. Ok, bon, on pourra compléter cette quête tranquillement. J'ai pu scanner une aura node avec. Merde, t'es quel endroit? Je sais plus où c'était. Hein. Je ouais, vois pas. Grave. C'est quoi les cordes? Ah, t'es là-bas. J'ai mon truc à scanning, ouais, comme ça je vais scanner la node. Ah cool, j'ai débloqué une recherche en scannant une underpearl. Très bien. Ah, vas-y drop l'underpearl. Ah ouais, nice. Si bah la faille se trouve là-bas. Voilà. Il y a une node là-dedans? Ouais. Près du... Là-bas. Près du creeper d'ailleurs, tiens. Si tu veux le scanner. Ouais, je vais jamais scanner. Casse-toi le creeper. C'est bon. Allez, les battes. Ouais, j'ai scanné la batte. C'est pas facile en plus. Ah voilà. Ça bouge dans tous les sens. Ah, le marble, bah, on s'en fout. Et le reste, on a tout scanné. Bon, bah écoute, c'est tout bien tout ça. Ouais. Enfin, fait quelque chose de correct. Donc du coup là, est-ce que t'as... Ouais, t'as récupéré les bushs, on va aller les planter. Oui. Près de chez nous. Garde surtout les trucs d'XP, hein, il nous en faut 16. Il nous faudra autre chose après. Mais c'est la dernière quête qui reste, donc merci à tous de nous l'avoir dit. Oui. C'est pareil, il y a celle-là qui est à 97%, je sais pas laquelle reste. Hein. C'est un peu la surprise. Et la surprise des chefs. Celle-là, c'est Loked. Hop. On doit faire des air compresseurs pour celle-là. Celle-là, pareil.
Là, elles ont été complétées donc. Encoding of the world. Ah, il nous reste les. Ah, les bees! Les abeilles. Ah Oh, oui. et les graines aussi. Tiens, on va voir si je peux faire des. Mais c'est plein de croisements. Hop. On est en 0-0. Alors, du coup, bah ça, je vais pouvoir aller. Voilà. On ne peut pas les scanner. Tellement plus vite qu'un shot. Je les mets dans le coffre à côté, de toute façon. Ah, ça utilise du mana quand tu voles. Ta mana. Oh, mais pas qu'un peu, hein. Oui. Ok, donc on va pas voler à tout bout de champ. Ah, dommage, j'étais bien. Ouais, faut s'en servir que pour. Des cas extrêmes. J'ai pas scanné le beacon. Ah ouais, en plus il y a beaucoup de choses dedans. Non, les pixies, ça marche pas. Ah, les Gaia pylons. Ah oui, il y a pas mal de choses. Block of gold aussi. Voilà. Ok, bah du coup, on part sur quoi? Est-ce qu'on part un petit peu sur l'énergie de mécanisme? Parce que les abeilles va nous falloir de l'énergie donc. Bah go. Alors, c'est quel Oh, mais on a déjà quasiment tout complété dans l'énergie de mécanisme, il restait quoi? Mécanisme d'ailleurs on n'a rien. En mécanisme. C'est justement à propos des abeilles. Là, il y a le reste des trucs à compléter. Ça c'est Ça, c'est fait. Tomcraft. Oh, on a débloqué un truc, Tomcraft. Voilà, on a le truc des abeilles, donc forcément il y aura du mécanisme par la suite. Au pire, tu peux aller pêcher par exemple un code. Une T'as canne à besoin pêche. d'un code? Ouais. Ah oui, il faut pêcher un code. Ok, vas-y, vas-y, je sors. Je sais où il y en a une. Mec, je sors la canne à pêche. On va pêcher, c'est moi qui te le dis. Ah, mécanisme, mécanisme. Ah ouais. Hop, elle est full là. On a une canne à pêche ici. Lock of the Alors, sea et tout. aluminium. Là. Allez hop! Allons pêcher des poissons. Des petits poissons. Voilà, je vais tellement vite que. Hop. Alors ça pêche beaucoup plus vite hein, maintenant. Ah bah oui. Ah bah je crois que j'ai chopé un code. Un code? Ah, c'est un raw code, attends. Non, c'est pas les mêmes. Faut utiliser un bait. Ah, oui, d'accord. Ah, il faut faire les baits avec les sifters, c'est ça? Ah, mais non, grasshopper bait, normalement on les a. Par contre, la question c'est on les a mis où? Oh. Ça, c'est autre chose. Merde, le sifter est là, mais ils sont pas à côté. Ici. Ah, ils sont là, cool. Alors, comment on utilise ça? C'est écrit dans le bouquin. Ouais, les loups, c'est bon, on a compris. No, to use the rod, place the bait in the slot next to the rod on your hot bar. Ok. On va voir si j'obtiens des codes magiques. C'est magique. Ouais. Oh. J'ai obtenu des autres poissons. Pas si ça a marché. Hein. Non, j'obtiens des raw codes. Voilà, pêche de Ah baleine. non, ok, j'ai compris. Aïe. Et forcément solo aussi ça fait Il faut mal. être dans l'eau, parce que sinon les poissons, tu les obtiens crus, mais ils sont morts, quoi.
Mais non, j'ai obtenu un raw code. Bon mec, passe-moi ton scuba driver. Je comprends pas, ça utilise pas les baits. Il disait que dans la haute barre, on devait juste les mettre à côté. Alors c'est peut-être de l'autre côté qu'on doit les mettre. Ouais. Oui. Putain, c'est tellement chiant ça. Mec, ça m'utilise que... Ça, je crois que c'est... Ça me donne que des... Ça m'utilise pas les baits en fait. Je pense que j'ai... Non, non, ok, c'est bon, laisse tomber. C'est pas la bonne fishing rod. Ah, tout ça pour... Ah, ok. Tout ça pour ça. Je pense, hein, je pense. Parce qu'il y a écrit Vanilla fishing rod. Ouais, bingo. Ouais. Ok, c'est bien ça. Il me faut une reed fishing rod, il me faut des sugar cane et des strings. C'est... Le problème est ça, c'est que j'utilisais pas la bonne canne à pêche. Il disait bien, il y a écrit vanille en gros dessus, c'est pas bon. Alors, faudrait... Oh non, putain, pas ça. De la ficelle, s'il vous plaît. Où sont les spiders? Heat generator. Ah, voilà. On peut commencer de l'énergie grâce à ça. Alors ça, je fous ça là. Ah bah j'en avais déjà là. Il me faut du coup four, osmium, copper. C'est pas comme si le copper on en avait pas du tout, mais... On a eu un super bouquin sur mariculture. Hop. Avec les différents baits qu'on peut utiliser. Ok. On va essayer de choper un poisson cru et le mettre dans notre poche. Hop, hop, yop. Alors, est-ce que les... Ok, Alt Shift Disable. Ah, là, c'est le bait, on l'a vu. Ouais! Et là, j'obtiens des poissons de mariculture. Ah, cool. Putain, si ça pouvait faire pareil dans Vanilla. Oh, le plaisir que ça ferait. Alors, attends, j'ai obtenu un stingray. Oh merde, ça, c'est des raws. Encore une stingray. Non, non, reste pas là, mec. Non, mais après, c'est que des raw fish. Chier, comment ça marche? Je suis dans l'eau pourtant. Du coup, il me faudrait un osmium. Les autres, c'est que des Minecraft. J'obtiens des Minecraft fish en fait, j'ai l'impression. Osmium, osmium, où es-tu? Osmium. J'obtiens pas de code pour l'instant. Faut te faire cuire. Ok, ça marche avec certains. Bon, ça c'est du Minecraft, on s'en fout. Mais vous voyez, ouais, certains, parfois on peut les obtenir raw et parfois on les obtient mariculture. D'accord. C'est ça qui est relou, donc c'est vraiment random hein, sur ce que tu catches. Ah, là c'est un poisson normal. Ouais, vas-y, l'osmium, cool. Oui, il me reste plus beaucoup de baies. Encore une stingray, mais j'en ai marre. C'est quoi? Un saumon. Et pareil, c'est pas un de mariculture. Histoire de probabilité. Alors là, j'utilise un bait pour rien, c'est un peu con. Allez, l'osmium. Bah, la pêche au code, hein. Ah, ça me donne de l'XP. Alors qu'est-ce qu'on a chopé? Un raw, on s'en fout. Oh! Fish roule. Un squid de mariculture. Encore une stingray, un raw saumon, on s'en fout. Bon, par contre, j'ai obtenu pas mal de poissons. Encore une stingray. Mais celle-là, vous voyez, elle est pas... C'est pas un mâle ou femelle. Ah, j'ai pas vu d'ailleurs si... Elle se fiche. Non, j'ai que... Ah, si, j'ai mâle et femelle. J'ai deux mâles et une femelle.
Donc ça c'est cool, c'est pour mariculture, ça veut dire que on pourrait éventuellement faire de l'élevage De de raies. poiscaille. De poiscailles. Putain mec, je vais jamais obtenir de code. Pourquoi c'est celui-là en particulier qu'il faut? Ah, sinon c'est trop simple. Ah, j'ai obtenu une selle, je suis content. Alors, du coup, moi, ça avance petit à petit. De copper, donc ça en fait 4. On va essayer de refaire des criquets du coup après. Ok. Alors, qu'avons-nous obtenu? Oh, j'en... Alors, ces deux-là, ceux-là se stack. Mais celle-là, non. Et je ne sais pas pourquoi. Les femelles se stack pas. Non, ça, on s'en fout. Et on va la garder. Fire. Comment on fait? Les trucs qu'on va lire dans le bouquin. On va peut-être lire d'ailleurs ce qu'il y a dans le bouquin. Fishing and breeding. Tadam. Hop, deux Et... fours. Ça comme ça j'ai Voilà, la fini. plupart des poissons qu'on pêche, ils sont morts. Il y en a quelques-uns qu'on pourra pêcher vivants. En plus le poisson il doit être vivant. Ah oh merde, oh ouais ok, le problème c'est ça, il faut que il faut vraiment que je fasse sous l'eau. Oh merde, on peut faire des filets de pêche. Ah bien. Et on a de la fishing oil. Comment on fait les... T'as un masque normalement de mariculture qui permet d'aller sous l'eau. Ouais. Ah, code! Il faut qu'il soit dans les saline water. Moins 3, tout 20. Ce qui veut dire que c'est. À tes souhaits. Moins 3, tout 20 degrés. Saline, saline. Océan. Il faut qu'on soit dans un biome océan. Ok, j'étais pas dans un biome océan. C'est ça le problème qui allait pas. C'est pour ça que j'avais que des stingrays. Ouais, je comprends. Oh, automatic fisher! Pas mal. Oui, on a des refs. Oui. Nice. Bon, mon seul problème, c'est comment on fait. Comment c'est quoi? C'était des criquets? C'est pas des grasshoppers? Ah, si, c'est ça. Ah, on passe au sifter des plantes. Des leaves! On avait plein de leaves. Est-ce qu'il nous en reste? Oh bah je pense que oui, hein, avec tout ce qu'on a. Ou des grass blocks, mec. Du coup je pourrais commencer du coup les apiariers. On va choper des... Ça, je dois en avoir plein. Ah oui, c'est vrai que c'est ça. Seed hole. Squeezer. Ouais, c'est ça. Le Nice. squeezer, enfin un carpenter. Voilà comment on obtient du bait. Voilà, donc il me faut ça. Oh, j'en ai 34, ok. Donc, ce coup-ci, on suit ce qu'il y a bien écrit dans le bouquin. Est-ce que tu te souviens où il était le truc de mariculture, le tuba? Il est dans Tuba un coffre juste à driving? côté, normalement. À côté d'où? Ah bah après, il faut le chercher. Que tu te souvenais? Ah, c'est là, snorkel, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais! Ok, on va dans l'océan, les gars, parce que là on est dans la beach. Voilà, là on est dans l'océan. Putain, tu ressembles tellement à rien. On peut pas pêcher au fond de l'eau en fait. Alors je pense qu'il faut que je. Ah, c'est parce que. Mes... Non, j'ai pas les baits à côté, c'est pour ça. Ouais, on peut pêcher au fond de l'eau. Oh, ça fonctionne. Sérieux. Ah. 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 On a du style.
Oh non, c'est un saumon. Du style. Non, faut en faire, je crois. Ah mais merde, je croyais que. On pouvait respirer à l'infini dans l'eau, mais non. Ah non, c'est pas l'infini non plus. Oh, j'ai un damselfish. Parce que c'est comme poisson, mais ça a l'air bien. Épisode de l'arnaque aujourd'hui, hein, que de la pêche. Tellement. Quand un squid. Mais moi je veux du cod! Je suis dans l'océan pourtant. J'avais jamais vu le coup de sortir la canne à pêche sous la flotte quoi. Alors j'ai chopé quoi? Rien de. Oh, un autre squid. Oh, j'ai un mâle et un femelle. On va pouvoir faire l'élevage de calamars, mec. Ah bien. On va pouvoir faire de la paella et tout, on va être bien. Il y a tellement de stingrays quoi. Que ça. Non, ça c'est un raw salmon. Allez, le dernier, après faut que je remonte à la surface, que sinon je vais crever. Est-ce qu'on a de la coke? Ah oui. On a plein de coke. Oui, on l'a mis il y a pas mal de temps, on l'a fait cuire. J'en avais tellement Bon, je crois qu'en fait. Je suis sous l'eau, mais ça a aucune utilité. J'ai l'impression qu'à partir du moment où on a les pieds dans l'eau, c'est bon. D'accord. Allez, mon Ça blaster naïf. veut pas choper un code, quoi. J'en ai pas chopé un seul. Pourtant, je suis dans le bon environnement, hein. 1280 ticks, ça fait combien en minutes? Sachant que c'est 20. Ça, ah d'accord, c'est en 1 minute, ça fait un steal. Ok. Bon bah on attend 1 minute, les gens. Écoute, moi je pêche. Hein. C'est passionnant Oh, la pêche. un spiderfish. C'est un fish qui est speeder. Speeder cochon. Je jure, hein, je que de la merde. Peut faire fish, je m'en fous. Speederfish. C'est pas surprenant d'attendre du style aussi, hein. C'est waouh. Oh, j'ai eu un minot! Un petit minot! Ah, un autre damelfish. Attends, par contre, on a plein de poissons, hein. C'est cool, mais on n'a pas celui qu'on veut. Eh mais, j'ai bien lu quand même pour le code, je suis pas ouf, c'est bien océan! Allez, un deuxième style, on pourra faire ce qu'on veut. Je me demande si en les mettant dans un coffre comme ça, ils vont pas crever direct. Est-ce qu'on a du bois quelque part? Oui, du bois, il y en a Non, mais c'est bon. partout. On a des chests de la mort. Mettre les poissons dedans, ils vont peut-être crever. Faut de la redstone. Pas fou quand même, hein. Code saline water moins 3. Et c'est quoi cette petite étoile? Je sais pas, moins 3 degrés tout 20 degrés. Et les océans saline water 4 degrés. Et du coup les stingrays. Pourquoi on a des stingrays? On devrait. On n'est pas dans. On est dans des brackish water? Ah, oh, c'est le Y. Mais on n'a pas le Y. What the fuck? Ah là, c'est moins 48, 70. Et là, on a une étoile. Ça veut dire quoi? Alors, Comprends rien. Ah bah, d'accord. de quoi? Que ça a complété la quête hein, alors que j'ai jamais chopé un code. En fait, je pense que c'était n'importe quel poisson. Pas grave, feeding time! Ah, bah c'est cool! Bah, limite, je vais m'intéresser un peu à mariculture, moi. Bah vas-y, moi je suis en train de faire un peu les abeilles. Oh, nice! Pour qu'on fasse de l'élevage de poissons. Attends, on va mettre les cannes à pêche. Est-ce qu'ils restent vivants là-dedans? Ils ont l'air de rester vivants, donc c'est plutôt cool. Mais je te propose qu'on en reste là, mon cher épée. Ah oui, bah ouais. C'était un peu l'épisode de l'arnaque aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça fait du bien de temps en temps, n'est-ce pas? Mais on continuera un peu sur mariculture. On a laissé un peu de côté Tom Craft parce qu'il y aura du travail hors caméra à faire. Et le rituel de Léonard parce que ça, on le fera certainement vers la fin, puisqu'apparemment c'est ultra hardcore. Et en attendant, voilà, on voit un peu des
Hop, des nouvelles choses. En tout cas, Botania, c'est terminé. On a complété toutes les quêtes. Donc je ne pense pas qu'on reviendra dessus. Tout comme Agricraft, c'est terminé. On a quasiment fait Bah, toutes les Agricraft, c'est quêtes, je fini, crois. hein. Ouais, s'il reste les seeds, mais bon, ça fait vite fait. Voilà, sur ce, à la prochaine, les amis. Ciao, ciao, ciao. Bisous.